Monsieur, lorsque je voulais acheter des baskets chez lui. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Alors, qui suis-je? Parce que c'est bien beau de dire, Valet, tu n'es pas dans le réseau. Ouais, un mec qui est devant vous. Qui suis-je? Bon. Moi, je suis avant tout étudiant en 6e année de médecine, avec tout le prestige que ça donne. En France, noir, étudiant en médecine, c'est bien beau. Mais en fait, tout le monde s'en fiche. Étudiant en médecine, c'est bien pour nous et notre famille. Mais tout le monde s'en fiche de ça. Donc quand j'ai découvert ça, en deuxième année de médecine, je peux vous dire que ça a été brutal. Je veux vous épargner toutes les péripéties qui se cachent derrière le fait qu'en parallèle de mes études en médecine, que j'ai pu lancer la structure que j'appelle aujourd'hui Argent Livre. C'est quoi Argent Livre? Argent Livre, c'est une structure qui a pour but de mettre massivement la lumière sur les auteurs africains. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que très souvent, lorsqu'on doit citer des références en termes de lecture, on nous cite Robert Kiyosaki, Napoléon Hill, Dale Carnegie. Et moi, je me suis posé une question. Nous, on est où? On existe quand? Donc même écrit nous dépasse. Nous sommes tous allés à l'école des masters plus 24. Il y en a qui ont fini avec l'école. Donc même écrit nous dépasse. Et donc là, je me dis non. De deux choses l'une. Soit on écrit, mais on n'est pas vu. Soit on est nul à l'écriture. Sauf que moi, j'avais des camarades de classe qui étaient dangereux. Vous avez le livre de mathématiques qui délivre. Il va dans les approfondissements et il finit avec. Et même en français, c'est terrible. Je n'arrivais pas à comprendre comment même dans la littérature, on n'existe pas. Donc j'ai commencé à chercher. Et j'ai découvert des pépites, de plus en plus. Voilà pourquoi on a créé Argent Livre, qui est une maison d'édition qui accompagne des personnes, des entrepreneurs aspirants, des entrepreneurs visionnaires ambitieux, à pouvoir partager leur expérience au travers des livres qui impactent. Parce que j'estime que lorsqu'on est africain et qu'on est dans une communauté dans laquelle les gens ont faim, on n'écrit pas des poèmes. C'est interdit d'écrire un poème. Lorsqu'on est africain, c'est interdit. Lorsqu'on est africain, on doit écrire pour impacter. Et c'est sur ce thème qu'on a lancé l'événement, le seul événement à l'heure actuelle, à mon sens, qui met en lumière les auteurs africains qui écrivent pour impacter, qu'on a baptisé le week-end de l'écrivain, qui, sur 5 ans, va côtoyer le Festival de Cannes, parce qu'on va faire ce qu'il faut pour ça. Wow. Et parmi vous, il y en a qui étaient au week-end de l'écrivain qu'on a organisé au Hilton. C'est pas qu'on avait trop d'argent, parce que ça nous a quand même coûté pas mal d'argent. Mais c'est parce qu'on s'est dit, il est temps que nous aussi, on nous retrouve dans des endroits charismatiques. Emblématique. Coca-Cola stick. Yes. Tout ce qui est tic, vous mettez dessus. Donc, pour la petite histoire, c'est tout ça, Valère Brillat, je ne vais pas aller plus loin. Diapo, s'il vous plaît. Donc, on va revenir à la petite histoire du monsieur avec les baskets. Donc, ça, quand on dit, le problème, ce n'est pas d'être petit. Le problème, c'est de commencer petit et de refuser de grandir. C'est là le problème. Ça, c'est quand je commençais mes business. Je pense que vous savez qui ont vu un peu lorsque j'ai démarré, je ne savais même pas dans quoi je m'engageais. D'habitude, les gens démarrent dans la vraie vie. Ils ont leur réseau dans la vraie vie. Après, ils se lancent dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait tout l'inverse. En fait, j'étais au départ ce qu'on appelle un entrepreneur de Facebook. Donc, moi, je lisais. À un moment donné, quand j'ai trop lu,
Ricardo Kanyama qui dit qu'il faut épargner, il faut investir. Claudel Bavard aussi, Yann Amon Bavard. Je me suis dit, ok, c'est bon. J'ai trop écouté votre bavardage. Parce qu'au bout d'un moment, lorsque vous partagez les connaissances des autres, parce qu'à un moment donné, je ne faisais que les résumés de livres, au bout d'un moment, il me dit, mais moi, tu as trop parlé des autres. Toi-même, tu as fait quoi? Donc, j'en avais marre. Donc, j'ai dit, ok, j'ai accumulé trop de connaissances, intelligence financière et tout, tout ça, c'est bien beau. Bon, maintenant, Valère, il faut que toi aussi, tu mettes quelque chose en place. Donc, deuxième année de médecine, avec 100 euros de bourse par mois, qu'est-ce que je fais? Mais bon, je me dis, ok, on m'a appris que le plus important lorsqu'on a de l'argent, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu en fais. Donc, j'achète des baskets. Et de fil en aiguille, la faute de basket s'augmente. Et là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On commence. 5 paires, 10 paires, 20 paires, 30 paires, 70 paires. Il me dit, waouh, c'est magnifique. Et là, on commence à arriver. Il me dit, bon, si je veux passer à un autre niveau, il faut que je devienne un grossiste. Parce qu'en devenant grossiste, les marges deviennent plus importantes. Et donc là, je m'en vais voir mon fournisseur qui était au marché. Et je lui dis, gars, je sens que l'affaire, s'il y a quelque chose. Donc dis-moi, comment il peut faire pour prendre 1000 paires? Et c'est à ce moment qu'il va me sortir la phrase fatidique. Il m'a dit, Valère, je n'ai pas la raison, mon gars. Et ce qu'il m'a dit, ce jour-là, je n'ai pas compris. Comment c'est que je suis pas dans le réseau? On travaille ensemble. Il m'a dit, non, mon gars. Il faut savoir que l'argent ne fait pas tout. Et il m'explique pourquoi. Il me dit, Valère, regarde. Admettons que tu viennes avec l'argent pour acheter les 1000 paires de baskets comme tu le veux. De deux choses l'une. Soit, on te vend les chaussures à un prix sur lequel tu ne pourras pas faire de marge, parce que tu n'as pas de réseau. Soit, on te vend même ces paires de baskets. Mais c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Pour la simple raison que si on te vend au prix auquel on nous fait, toi, tu vas venir gâter le marché, en fait. Et soit, nous, on va te détruire parce que tu vas gâter notre marché. Ou alors, ce qui va se passer, c'est tout simplement que tu ne vas pas avancer. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va t'abattre. Parce que j'ai m'a dit que un entrepreneur sans réseau, c'est comme un général d'armée sans armée. Il ne peut gagner aucun combat. Il est même droit de le tuer. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à de la fête qu'on dit qu'entreprendre ici. Peut-être que c'est pas ce qu'on voit sur Facebook. Il y a autre chose. Je vais aller plus loin. Parce que des fois, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, et qu'on a beaucoup d'abonnés, on croit qu'on est arrivé quelque part. On commence à jauger les gens sur leur nombre d'abonnés. Sauf que j'ai m'a dit que il y a des aînés avant nous qui faisaient des affaires. Il n'y avait pas Facebook. Ils faisaient des choses impressionnantes. Ils remplissaient des salles de plusieurs milliers de personnes. Donc, lorsqu'on est sur ces machines de Facebook-là, c'est bien. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait ici, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui remplacera la relation humaine. Même le métaverse ne pourra pas le faire. L'échange d'énergie qu'on a aujourd'hui, encore plus lorsqu'on est africain. Parce que nous, on veut se sentir. Il faut voir se sentir. Encore en Europe, ça passe encore. En Afrique, c'est différent, c'est pire. Tu dis que quelqu'un va payer par Orange Money, qu'on t'a vu sur Facebook. Non, ma chère amie. Il faut que tu vois qu'elle te sent, qu'elle te touche. Voilà. Donc, c'est une petite histoire qui m'a fait comprendre le sens du réseau. Et pourquoi est-ce que ce monsieur m'avait fait comprendre cela? Diapo. La principale raison, c'est celle-là. C'est qu'en business, la confiance compte beaucoup plus que la compétence. Je répète. En business, la confiance compte beaucoup plus que la compétence. La compétence, tout le monde peut l'acquérir. Tout le monde. À base d'un peu de discipline, un peu de répétition. Au bout d'un moment, je deviens compétent parce que le succès laisse des empreintes. Et le succès, les lois du succès sont aveugles. Tout le monde qui les applique finira par réussir. Et donc, regardez bien cette photo. À gauche, on a quelqu'un que je ne présente plus, Samuel Eto'o. Et à droite, on a Rigobert Song. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur ces deux messieurs. C'est qu'il y a un an, Samuel Eto'o, élu président de l'Africa Foot. Tout de suite,
et non Rigobert Song, sélectionneur de l'équipe nationale de football. Est-ce que c'est parce que Rigobert Song était le meilleur? Peut-être. Mais c'était surtout. Parce que lorsqu'on a ce genre de rôle, lorsqu'on a ce genre de responsabilité, on a besoin de personnes de confiance avec qui travailler. Parce qu'on va leur donner des informations ultra stratégiques, ultra sensibles. Et si moi je ne te fais pas confiance, tu auras beau être le meilleur dans ton domaine, tu ne travailleras pas avec moi. Parce que je ne te fais pas confiance. Et appartenir à un réseau, c'est déjà un gage de confiance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les sectes existent. C'est l'une des raisons. Parce qu'il y a des informations ultra stratégiques qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout le monde. Voilà pourquoi on conditionne certaines informations dans les sectes. Et tout à l'heure, il y a un intervenant qui a précisé qu'il faut choisir un réseau qui correspond à nos valeurs. Si tu estimes que la secte correspond à tes valeurs, ça n'engage que toi. Donc, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez jusqu'ici, c'est que, en business, la confiance compte plus que la compétence. Et moi, j'aime à dire que, avant de dire réseau, machin, truc, il faut déjà expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils doivent intégrer un réseau. Diapo. Vous devez intégrer un réseau parce que les meilleures opportunités se trouvent dans le réseau. Je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, mais en général, lorsqu'on met l'information à la télé, c'est qu'on a fini avec ça. Lorsque ça apparaît sur Facebook, c'est là qu'on a fini avec. Là, on vous laisse ça comme ça. Donc, dans votre réseau, qui est-ce que vous devez avoir? Diapo. Première personne que vous devez avoir dans votre réseau, c'est un mentor. C'est qui le mentor? Le mentor, c'est quelqu'un qui vous inspire. C'est quelqu'un qui a déjà eu à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Mais c'est aussi et surtout quelqu'un avec qui vous êtes en contact. Moi, je m'a dit qu'Aliko Dangote, ce n'est pas mon mentor. Aliko Dangote, pour moi, c'est un idéal. Mais ce n'est pas mon mentor, parce que je ne suis pas en contact avec lui. Par contre, le docteur Koden Obisi, c'est l'un de mes mentors. Yann Amon, c'est l'un de mes mentors. Ricardo Kanyama, c'est l'un de mes mentors, parce que je suis en contact avec eux. J'apprends d'eux tous les jours. J'écoute leurs conférences. J'achète leurs livres. Je suis leur formation. Et je sais que quand ça ne va pas, je peux envoyer un message et ils me répondent. Donc, vous devez d'abord avoir un mentor. Parce que c'est le mentor qui vous ouvre les portes. C'est le mentor qui vous ouvre la porte du réseau. Parce qu'il joue le rôle de ce qu'on appelle dans les tontines, l'avaliste, la personne de confiance. Et je ne compte pas le nombre de portes que le docteur Kodesh Nubisi m'a déjà ouvertes. Je ne les compte pas. D'ailleurs, s'il y a l'une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, c'est que quelque part, on m'a associé à lui. On s'est dit, ok, je fais la confiance à Claudel. Et puis j'ai vu que Claudel a travaillé avec Valère, donc ça veut dire que je peux aussi faire confiance à Valère. Et c'est le réseau. Deuxième personne à qui vous devez vous associer, Diapo, ce sont vos semblables. Tout à l'heure, Elie l'a dit. Ce sont vos semblables. Les personnes avec qui vous avez une relation, j'ai envie de dire, horizontale. Là-dessus, tout le monde le sait plus ou moins, donc je ne vais pas aller plus loin. Diapo, troisième type de personnes, ce sont vos mentorés. C'est à ce niveau que beaucoup d'entre nous pêchent. Parce qu'on a déjà un petit niveau, on s'est dit, bon, maintenant, je vais tout traiter avec vous là. Vous mangez à checker, poulet brisé. Non. Moi, je vais aux Champs-Élysées maintenant, ok? Voilà. Erreur. Erreur monumentale. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Diapo. Parce qu'une fois qu'on a dit qui, oui, c'est bien. Mais vous dites avec de qui s'entourer, sans vous dire comment le faire, c'est comme vous montrer ceci et vous dire que c'est une veste. Ça ne sert à rien. Parce que tout le monde ici, plus ou moins, le sait déjà. Bon, maintenant, comment entrer en relation avec ces personnes-là pour intégrer leur réseau? Diapo. Le mentor. Là, vraiment, j'ai envie de dire merci à Yann Amon. Parce qu'un jour, j'écoutais l'une de ses vidéos sur Facebook, YouTube, et ça a sonné comme une bombe dans ma tête. Il y a une règle. C'est que on ne demande jamais de l'argent à un mentor. Jamais. Si tu estimes que c'est ton mentor, ça veut dire qu'il t'inspire. Et c'est la meilleure chose qu'un mentor puisse faire pour toi.
Parce que j'ai m'a dit que beaucoup de gens veulent donner de l'argent aux pauvres, alors que les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Parce que donner de l'argent à un pauvre, c'est comme donner un peu un bout de pain à un mendiant. Il va manger, il va être rassasié, il va vous dire merci, mais deux jours plus tard, il aura encore faim. Parce que dans notre communauté, malheureusement, le point sur lequel on pêche, c'est la transmission écrite, pas verbale. Parce que lorsque c'est écrit, c'est structuré. Je vais finir avec cette petite histoire. C'est que je rencontre une dame qui fait les chips. Quand elle fait les chips, tout le monde veut manger ça. Donc ça ne reste pas. Sauf que maintenant, quand tu lui demandes, ok, si on veut faire une industrie des chips, partage avec nous le process. Là, il y a un problème. C'est qu'on va lui demander ton plantain, tu es à quelle température? Elle va nous dire non, en fait, quand je coupe le plantain, je mets dans l'huile, j'attends que ça fait tchoua. Comment construire une industrie comme ça? Parce que l'industrie, ce sont des process bien définis pour optimiser. Mais si ce n'est pas écrit, ce n'est pas structuré, du coup, c'est compliqué de transmettre. Voilà pourquoi c'est important d'écrire pour impacter, d'écrire pour transmettre, d'écrire pour partager. Donc, on va faire une dernière chose. Qui parmi vous a envie d'écrire un livre pour impacter? Chacun d'entre vous a sorti son téléphone tout de suite. Sortez vos téléphones. Vous activez la caméra. C'est bon d'avoir activé la caméra? Diapo. Et chacun d'entre vous va scanner ce QR code. Vous allez prendre rendez-vous pour voir si vous êtes éligible au programme Plume d'Élite. Parce que d'habitude, les gens pensent que c'est parce qu'ils payent qu'on va travailler avec eux. Non. Pour ce programme, c'est nous qui vous choisissons. Voilà. Et en ce jour, on a accompagné plus de 93 auteurs. La dernière édition, ils étaient avec nous à Avignon dans une villa. Je peux vous dire que la villa était très charismatique. Bref, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux Argent Livre, ils verront quelques extraits de ce qu'on a pu faire là-bas. Et c'est grâce à ça qu'on a accompagné plus de 83 auteurs, plus de 93 auteurs qui écrivent eux aussi pour impacter. Je vous remercie. Bravo, bravo.